Bonjour YouTube, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte. Aujourd'hui mesdames et messieurs, on se retrouve pour une vidéo découverte sur le jeu Wreckfest, que nous avons traduit gentiment avec Twitch Inu, conduite difficile, meurt en dernier. Voilà, parce que Twitch est nul en anglais, tout comme moi, c'est écrit Drive Hard, Die Last. Donc nous allons voir ce que veut dire ce petit nom. C'est donc dispo sur PS4 et Xbox One et on est sur twitch.tv, ça je me serai super. Et j'ai planifié un petit peu le setup comme ça YouTube. Vous voyez un petit peu ce que vous ratez de temps en temps. Et pour information, YouTube, venez en septembre sur ma chaîne Twitch. Les subs sont à moitié prix. C'est Subway qui les paye. Donc viendez mater mes lives. Mesdames et messieurs, transition, deuxième scène. Watch. Bonjour. Du coup, mesdames et messieurs, derrière ce jeu sur PS4 se trouvent 2 heures de découverte que nous avons fait avec Twitch.tv. Ils sont au-dessus, ils pourront témoigner. On y a joué 2 heures. Mesdames et messieurs, le jeu coûte 38 € sur Amazon en version PS4 et il coûte 40 € sur version Xbox One. Alors pour information, nous on a la version PS4, donc j'ai remonté la PS4, donc tout est là. Noté 17/20 sur JVC, 17,8 par les joueurs, donc vous, moi, nous tous. Bon, moi j'ai pas dit que je le notais 17,8. Pour faire simple, c'est un jeu de course automobile sur PS4, misant beaucoup sur le réalisme des collisions et de la destruction des bolides. Les joueurs peuvent s'affronter dans des arènes au volant de leur voiture favorite. Mesdames et messieurs, c'est ce que nous allons voir. On y a joué du coup 2 heures, on a fait pas mal de courses, et on a des petites choses à vous dire pour cette vidéo découverte. Transition ! Waouh ! Oui, et je fais tout ça tout seul. Donc, nous voilà sur le menu du jeu. Déjà, ce qu'on peut dire avant qu'on oublie Twitch, parce qu'on va faire cette vidéo découverte avec Twitch chez nous, hein, Twitch va nous aider à faire cette vidéo découverte. Ce qu'on peut dire Twitch pour YouTube, c'est que le jeu est beau. On est sur PS4, on n'est pas sur PS4 Pro, on est sur une PS4 normale. Vous pouvez m'envoyer des demandes d'amis si vous voulez d'ailleurs, parce que maintenant on va jouer un petit peu en live à la PS4, etc. Donc on est sur une PS4 Slim, qui est normale, enfin, à moins qu'il y ait une Slim Pro qui existe, mais je pense pas. Donc c'est une Slim normale et le jeu est super beau. Voilà, je tiens à le dire dès maintenant, je suis joueur PC. 2080 RPZ, 16 Go de RAM en DDR4, un gros i7 à plusieurs centaines d'euros, enfin bref. Et ben, j'ai pas trouvé ça moche. Donc c'est le premier point, voilà, je dis pas qu'un jeu beau est un jeu bon, mais un jeu de voiture beau, c'est quand même plus joli qu'un jeu en 8 bits. Même si je suis un grand fan des jeux sur PlayStation 1, c'est vrai que ça fait plaisir. C'est donc un jeu, mesdames et messieurs, complètement barré, où vous allez pouvoir faire des courses, et si vous voulez gagner, vous allez devoir faire des accidents. Le jeu vous encourage à faire des accidents, et c'est génial. Donc pour tous ceux qui vivent sur Union City, sur Vice City, vous allez kiffer ce jeu, parce que là, faut foncer dans tout le monde, et il faut tuer du pilote. Pour faire simple, vous avez la première partie, qui est la catégorie jouer sur le menu principal, où vous allez pouvoir débuter une carrière, faire des épreuves personnalisées, aller en multijoueur, et aller sur le magasin de contenu. J'ai pas de DLC sur ce jeu, on notera que le jeu est vendu sans notice, mesdames et messieurs, je n'en ai pas reçu. Et on remercie l'éditeur pour le jeu, c'est eux qui me l'ont envoyé, donc merci THQ. Je vais noter votre jeu avec Twitch pour YouTube. Nous avons une section garage où je me suis permis de customiser un petit peu ma voiture que j'ai pour le moment. On peut donc changer la couleur de sa voiture, faire des améliorations du type petite pare-choc, petite optimisation. On peut swapper sa bagnole, changer le moteur, enfin bref, le contenu est présent. Je vous présente donc ma voiture requin que j'ai faite avec Twitch. En requin, parce que c'était marrant de mettre un requin dessus. Donc, on a, comme dans tous les jeux de voiture, pas mal de possibilités d'amélioration au niveau des performances, mesdames et messieurs. Il faut le savoir. Merci, Shru Shru. Bienvenue. Et faites comme Shru Shru. Rejoignez le clan, mesdames et messieurs. Merci, Shru Shru. Pikachu. Bienvenue, Pikachu. Bienvenue. Donc, du coup, comme Shru Shru vous la montrez, venez subscribe et n'oubliez pas, en septembre c'est moitié prix. Venez soutenir sur Twitch, coucou YouTube, pouce bleu, abonnez-vous. Pouce bleu comme la voiture. Alors j'ai fait la voiture en bleu, comme le bleu crew. Et donc, voilà, les performances peuvent être améliorées, comme dans tous les jeux de voiture. Piston, arbacane, soupape, etc. Un exemple tout con. Si je veux changer de moteur, je passe de 167 HP à 324. Vous avez compris le but du jeu. Plus vous jouez, plus vous gagnez d'argent, plus vous gagnez d'XP, plus vous avez accès à du contenu. Je ne sais pas ce que vous en pensez YouTube, donc vous le mettrez en description. Twitch, pour ceux qui ont déjà le jeu, je compte sur vous pour me faire un petit pavé pas trop long, que je dirai à la fin de la vidéo, pour voir un petit peu vos retours. Parce que comme je vous l'ai dit, là c'est une vidéo découverte, on y a joué 2 heures et non 3 semaines. Et le jeu est sorti, tiens, c'est bon, on l'a pas dit.
Le jeu est sorti le 27 août 2018 sur PS4 et One. Donc on est pour le coup sur quelque chose d'assez récent, c'est ce que j'expliquais. J'ai pas mal de jeux à vous tester. Et il y a des jeux, ils sont sortis il y a plusieurs mois, donc j'ai un petit peu de retard. Mais écoutez, j'étais occupé à d'autres choses. Donc, on peut customiser les roues, voilà, on peut customiser l'échappement. L'échappement, j'avais quelque chose d'assez marrant à vous montrer. Pour sauver la planète et sauver les pandas, on peut faire ça. Donc on va le faire. C'est un échappement libre. Je sais pas si on peut appeler ça un échappement libre. Je sais même pas si on peut appeler ça un échappement. On va appeler ça une découpe frontale. Parce que là, en fait, il n'y a pas d'échappement. C'est un bout de tuyau qui sort du moteur, qui ressort au-dessus du capot. Voilà. Ça, c'est un échappement. Genre lui. Voilà, ça, c'est un échappement. Ça, c'est 30 ans de prison. Et une planète en moins, je pense. Donc, on va mettre ça, parce que bon, on est sur un jeu vidéo, autant s'amuser un petit peu. Pour installer découpe, il vous faut capot, continuer. Oui. Bon, bah du coup, j'ai même dû mettre le découpe frontal. Ah, attendez. Découpe multiple. C'est lequel que je dois mettre pour faire passer les trous? C'est celui-là, non? Ah, oh, j'ai rien écouté à ce qu'il m'a dit. Je crois que c'est lui, attendez. Ouais, c'est bon, c'est ça. D'accord. Parce que oui, oui, soyons intelligents. Si tu découpes pas le capot, tu peux pas faire sortir tes découpes comme ça. Faut le savoir, on peut améliorer son blindage aussi. Bref, je vous propose de passer au contenu le plus intéressant qui est le menu jouer. On va continuer la petite carrière. Pour information, nous avons 5 carrières différentes. Régional, national, challenger, pro et world master. World master étant pour les professionnels du game. Nous, on est en régional junior. Voilà, petite catégorie sympathique. Je pourrais pas vous le montrer, mais je vous le dis, il y a des courses de moissonneuse-batteuse, il y a des courses de camping-car, il y a des courses de bus. Et après, je ne sais pas, Twitch m'a dit qu'il y avait des courses de caravane. Mais je ne sais pas s'il y en a dans le jeu-là. Parce qu'au niveau de la jaquette, on voit qu'on peut détruire pas mal de véhicules, mais on ne sait pas forcément lesquels. Donc nous, on a fait les petites courses du début. Et je vous ai gardé pour vous deux courses qui, je pense, YouTube, vont beaucoup vous plaire. La course de tracteur tondeuse et, pour la fin de la vidéo, la course sur canapé. Ils ont mis des moteurs dans des canapés et c'est des courses de canapé. Donc, on va commencer par le truc le plus fun qui est conduire des tracteurs tondeuses, mesdames et messieurs. J'ai donc ici le monstre, le Power Horse, un tracteur tondeuse qui développe 54 watts, 54 chevaux. On est tous d'accord pour dire que ça a été modifié. 92 Nm de couple, 713 kg, c'est très très lourd je trouve. Je pensais que c'était beaucoup plus léger que ça. À titre de comparaison, ma voiture fait le double. Ah, quoique 54 chevaux pour 700 kg, c'est peut-être beaucoup. Ah, je sais pas. Enfin bref, je trouve assez lourd. C'est pas grave. Mesdames et messieurs, en avant pour le départ. Ah, attendez, j'ai merdé un truc ou quoi? Comment c'est l'épreuve? Voilà, en avant pour le départ, mesdames et messieurs. On va tuer des gens dans cet épisode. Le jeu est plus de 12 pour information. On n'est pas sur un PEGI très élevé, mais on est sur un jeu où il n'y a pas de sang, mais où il y a un tantinet de violence routière. Parce que comme vous allez très rapidement le voir, YouTube, il n'en restera qu'un. Il y a un mode Battle Royale où il faut tuer tous les autres pilotes, mesdames et messieurs. Faut le savoir. 6,75 chevaux, c'est puissant quand même. Hein. Pour un tracteur tondeuse, à mon avis, ça pousse. Hein. Mon Top Gear n'est pas loin, hein. C'est ce que je vous disais. J'ai vraiment l'impression de jouer à un jeu Top Gear, et je sais qu'il y a un jeu Top Gear qui est sorti, que je n'ai pas testé. Moi, je regarde Top Gear sur Amazon maintenant, ça s'appelle Le Grand Tour. Mais on est clairement sur ce qu'a peut-être déjà fait ou fera Top Gear. Donc voilà la bête, mesdames et messieurs. Oh, il y a une moissonneuse-batteuse. Et c'est parti. Alors, il y a différents modes de vue. Et... Ah. Non mais pourquoi vivre? Non mais c'est vrai, hein, la vie c'est quoi? La vie c'est nul, tout le monde le sait. Tout le monde le sait, la vie c'est nul. Pourquoi vivre, mesdames et messieurs? Voilà. Voilà pourquoi voilà pourquoi les hommes vivent moins longtemps que les femmes. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Parce qu'ils font des courses de
tracteur tondeuse versus des moissonneuses batteuses. C'est pour ça que la durée de vie des hommes est un peu plus basse. Et dans certaines régions du Nord Pas-de-Calais, ça dépasse pas 35 ans. Parce que, bah voilà, accessoirement... Mais là, il reste plus personne, hein. Je préfère vous le dire. Il reste 4 participants. Waouh. Jour sombre, mesdames et messieurs. Jour sombre. Jour sombre dans le... Dans les courses. En plus, je crois qu'il y a un pilote de Formule 1 qui est mort il y a pas longtemps. Hier ou avant-hier. Qui avait, je sais pas, 20 ans ou 19 ans. Enfin, je sais pas l'âge qu'il avait. J'ai vu ça passer sur Twitter. Vous m'excuserez, je regarde pas la F1. Autant j'aime bien les voitures, autant la Formule 1, je m'y suis jamais intéressé. Mais j'ai vu ça sur Twitter. Bah écoutez. Sur le jeu là. À chaque. Oh là là, mon dieu. Sur le jeu là, à chaque course, c'est un bordel. Alors, on va essayer de passer devant. Donc ça, c'est juste un mode du jeu, hein. C'est pas un jeu de tracteur tondeuse, attention. C'est ni un jeu de moissonneuse batteuse. Voilà, je préfère vous le dire. C'est un jeu complètement barré où tu fonces dans tout le monde et où tu tues tout le monde. Mais le but du jeu... Désolé. Le but du jeu, c'est pas de survivre à une moissonneuse batteuse folle qui écrase tout le monde, hein. Donc vous avez la résistance en bas à gauche. En bas à droite, vous avez la vitesse. Le classement est en haut à gauche et le nombre de tours est en haut à droite. La moissonneuse batteuse qui est conduite par Bandy est mon rival. Donc en fait, je dois lui foncer dedans pour gagner des petits points vu que c'est mon rival. Bon, vous doutez bien, on va peut-être pas lui foncer dedans. Désolé, poteau. C'est plus de 12, mais vous imaginez quand même. Aujourd'hui, c'est quoi un jeu plus de 12 ans? Je trouve ce jeu vachement violent quand on y pense. Oh là 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 là, il s'est fait traîner sur 30 mètres. Bon, voilà, vous avez compris un petit peu l'échec de ce jeu, mesdames et messieurs. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas de finir la course, c'est de rester en vie. Voilà, il faut le savoir. Donc ça, c'était le mode tracteur-tondeuse, d'accord ? Il y a un mode moissonneuse-batteuse, bus, etc. Mais comme je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment le level pour y aller. C'était en F2, me dit Twitchinou. Pilote de Formule 2. Je n'ai aucune idée de ce qu'est la Formule 2. J'imagine que c'est moins puissant que la Formule 1, mais dans tous les cas, ça reste... Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire extrêmement tristinou. Donc, la suite, c'est quoi ? La suite, mesdames et messieurs, c'est... comment ça s'appelle ? La suite, c'est encore plus n'importe quoi que ce que je viens de vous montrer. La suite, ça s'appelle sur canapé. Voilà, donc je vous ai gardé quelques cours spécialement pour cette vidéo YouTube. Donc, on est sur un canapé et on doit gagner la course. Voilà, tout simplement. Et je crois que ça existe, d'ailleurs. Je crois que j'ai déjà vu passer des mèmes sur Twitter avec des gars qui sont sur un canapé. Alors je sais pas comment c'est possible. Je sais pas de quoi ils partent au début. Peut-être un tracteur tondeuse sur lequel ils mettent un canapé. Et en avant. Eh ben écoutez, vous ne rêvez pas. Et regardez les graphismes. Les graphismes du jeu sont quand même vachement sympathiques, mesdames et messieurs. Merci Fantastique pour le follow, ça fait plaisir. En avant, mesdames et messieurs. Et c'est parti! Voilà. Voilà le jeu, ce que c'est. Alors, rassurez-vous, il y a des voitures, hein. On se fera une course de voiture. Alors, ça, j'avoue que j'aimerais bien tester. Ah, je suis mort, mesdames et messieurs. Je viens de mourir. Actuellement, je suis en train de convulser sur le sol. Après avoir été éjecté de mon canapé. Donc, surtout, n'oubliez pas, on s'attache. Voilà, mettez la ceinture de sécurité. Regardez les flammes que ça fait. Des fois, j'ai des retours de flammes. Donc voilà, attachez-vous surtout quand vous êtes sur votre canapé. Bon, ça se conduit vraiment n'importe comment, hein. Je vais pas vous dire que c'est réaliste, hein. Mais on a la conduite est vraiment top. Mais bon, là, hein. Voilà quoi. Alors j'ai fait une sucette. Une sucette, c'est quand on pousse un gaz sur le côté.
Voilà. Bon, voilà. Bon, vous avez compris l'idée. Grosso modo, c'est du canapé time. Et puis tu... En avant... Alors, je sais pas si on peut... Voilà. Cette image, c'est tout simplement ce qu'est la course de canapé. Alors, n'achetez pas le jeu pour faire des courses de canapé parce que, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fun à faire. Pour terminer, on va se prendre une petite course de voiture avec ma voiture requin qui est légèrement moins dangereuse, mais tout aussi marrante à voir. On va se faire un petit démolition racing, mesdames et messieurs. Et bon courage aux autres participants. On va donc se prendre la petite roquette, mesdames et messieurs, qui est ma voiture requin. Voilà, qui, comme vous pouvez le voir, a un requin dessus, une petite ligne un petit peu modifiée. Mesdames et messieurs, là, on va essayer de... J'ai un bonus si je fais faire tourner au moins 3 adversaires et si je provoque des dégâts. Donc, on va essayer de faire les bonus. Grosso modo, c'est du Demolition Derby. Faut foncer dans tout le monde, faire des accidents. Vous avez des modes course. Et vous avez des modes meilleur tour, des modes tracteur tondeuse, des modes canapé tondeuse tracteur, des modes moissonneuse-batteuse, des modes bus, des modes 4x4. Enfin, voilà. Grosso modo... drive hard, die last. Voilà, mesdames et messieurs. C'est un petit peu l'idée. Est-ce qu'on est sur un canapé swappé? Non, je pense qu'on est sur un canapé avec un moteur d'origine parce que tout le monde le sait. Je pense que tout le monde le sait aujourd'hui sur Internet. Nos canapés ont des moteurs de base qui font 25 chevaux. Donc là, on était sur un moteur d'origine, je pense. Voilà, peut-être en stage 1. Quelque chose comme ça. Regardez comme c'est beau! Waouh! Et quand je dis ça, c'est pas ironique. Hein. Vraiment, les... je pense que c'est les couleurs qui font ça. Donc, mesdames et messieurs, on est là. On a là. Et après, il y a la finale. C'est parti! Alors, je me demande à quoi ça ressemble en vue première personne. Ah oui, d'accord. Moi, je me doutais que ça ressemblait à ça. Allez, sucette! Ah non, j'ai pas réussi à le faire sucette. Il y a du monde derrière, mesdames et messieurs. Alors, vous pouvez voir les flammes qui sortent des tuyaux. Hop là, il y a des camions de pompiers derrière. Je pense qu'on est en Angleterre. Voilà. Rassurez-vous, ce n'est absolument pas dangereux. Le public est en délire, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, je trouve que... le public sur ce jeu, on est sur un mix entre il est bien et il est inexistant. Mais comme le spectacle, ça se passe sur piste, c'est absolument pas grave. Regardez-moi ça, mesdames et messieurs. Alors, rassurez-vous, il y a des courses où il y a des virages. Là, on a pris une petite course un peu simple, comme ça je peux vous montrer à quel point je suis bon pilote. Allez, vas-y, voiture requin. Alors ça va, c'est fair play, ils font pas exprès de donner des coups de volant pour venir me foncer dedans. Ah, on a un participant qui est un petit peu là, j'ai un petit peu abîmé le devant. Mais sinon ça va, la boîte de vitesse et tout va bien. Écoutez, on va peut-être pouvoir s'offrir la victoire. YouTube, n'oubliez pas le petit pouce bleu et en commentaire vous me direz ce que vous avez pensé du jeu. Twitchez-nous pour ceux qui ont le jeu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je vais venir voir vos petites réactions dans quelques secondes. Bon, si vous n'avez pas le jeu, c'est pas grave. Hein. Au moins, vous avez pu voir un petit peu à quoi ça ressemblait une course de canapé. Oh là là, ce pilote, mesdames et messieurs. Voilà. Position first. First number one, mesdames et messieurs. Ça, c'est... c'est à ça qu'on reconnaît, le beau jeu. Je vais vous lancer un petit battle royale pendant qu'on voit ce que ça donne. On est d'accord, on veut tous voir la chute du requin. Pour voir la chute du requin, il faudra que je fasse des tonneaux, je pense. Parce qu'on peut faire des tonneaux. Parce que là, vous avez vu course, canapé, tondeuse, mais vous n'avez pas vu encore la meilleure partie du jeu. Donc, je vais vous le montrer. Alors, c'était où ? C'était... alors, tous les types de voitures sont autorisées. Ah voilà, c'est celui-là. C'est des Demolition Derby. Ça c'est quoi? Préparez-vous, découvrez les subtilités. Dans cette épreuve, les jarres peuvent paraître fragiles mais tiennent la route.
Le dernier en course remporte le Graal. Voilà, c'est ça. Ah merde, j'ai pas de bagnole. Non, bah alors c'était. Ta ta ta, pour faire simple, ici c'est roule ou crève. Celle-là, je peux pas la faire. Demolition Series, grâce à ces circuits. Non, bah c'était la Demolition Derby, c'était celle-là. Ouais. Ouais, c'est ça. Attends. Oui, si, c'est ça, c'est ça, c'est bon, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, je vous montre le, entre guillemets, le dernier mode du jeu. Il y en a peut-être d'autres, hein, mais écoutez, une vidéo découverte, hein, c'est pas une vidéo où je vous fais le let's play du jeu. Donc, là, c'est le mode Battle Royale, mesdames et messieurs. C'est le mode petit Battle Royale. Le requin, il empêche de faire des tonneaux. Normalement, je sais pas du tout, BGK. Faudrait qu'on teste de voir si on peut se retourner. Coucou SkyX, bienvenue, bienvenue. Est-ce qu'il y a des mecs turbo Twitch dans le chat? Je sais même pas s'il y a turbo, ça existe encore, Zacharia. Je sais qu'il y a de Prime. Voilà, être Prime, c'est... C'est beau d'être Prime, d'être Twitch Prime. Mais être Twitch turbo... Je sais pas. Je sais pas si ça... Je sais pas s'il y a encore des mecs qui sont turbo. Parce qu'en fait, avant, t'étais turbo pour avoir des petits accès que t'as maintenant en étant Prime. Donc, je ne sais point. Comment on a le truc turbo? Je crois qu'il faut payer un truc. Genre, le turbo sur Twitch, je crois que c'est un Prime Twitch. En gros, tu payes à Twitch un abonnement pour plus avoir de pub, avoir des émotes et des trucs comme ça. Chose que tu as en primant ici, bien évidemment, en t'abonnant. Bref, mesdames et messieurs, préparez-vous. PUBG Game. On sort la voiture requin. Mesdames et messieurs, on se laissera là-dessus d'ailleurs. YouTube, c'est le dernier mode qu'on testera. Nya, et c'est parti! Donc là, le but du jeu, c'est d'être le dernier survivant. Donc il faut éviter un peu les dégâts. Oh, on va perdre le requin. Mesdames et messieurs, je pense que le requin va tomber. Oh, le requin qui chute! Mesdames et messieurs, on a perdu le requin, malheureusement. Allez, tiens. Donc attendez, je vais essayer de faire des kills. En fait, il faut chercher les voitures qui ont plus beaucoup de vie pour leur foncer dedans. Oh lui, lui il a plus de vie. Regardez, regardez. Un super qui fait le kill. Allez, boum. Je viens de tuer quelqu'un là, hein, qu'on soit bien clair. Ne faites pas ça chez vous, bien évidemment. Nous sommes des professionnels. Là, lui il a plus beaucoup de vie. Bam. Qu'est-ce qu'il y a? Là, il y en a un qui a plus beaucoup de vie aussi. Il est où? Il est où? Il est là. Attendez. Il est où? 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 Il y en avait un qui avait plus beaucoup de vie. Ah, je pense qu'il a déjà été tué. Ah merde, mon moteur est endommagé. Ah merde. Ouah, ça va, ça va. Bon, moi, vous voyez un petit peu le côté destruction du jeu. Non, mon but. Reviens à la maison, requin. Reviens à la maison. Si tu reviens à la maison, j'oublie tout. Je te pardonnerai tout. On le voit même pas. Reviens à la maison. Tout, je te pardonnerai tout. Je te plaît, reviens. Tu me manques. Bon, là, on a un temps de contact. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, ils ont réussi à éviter. Allez. Ah, merde. Ça roule, ça roule. Ça passe même au contrôle technique dans cet état. Il me reste 13 adversaires. On va se calmer un peu. Oh. Ah putain. Ça, c'est le mode le plus fun. Ok. Transmission endommagée. Frein endommagé. C'est pas grave, les gars. Rassurez-vous. C'est pas grave, ça. C'est... Oh là là! Je vais essayer de refaire un kill. Allez, viens ici! Oh oui! Oh mais c'est pas possible! Venez vous battre! Oh merde, j'arrive pas! Attendez, attendez. Temps de contact, faut absolument que je touche un gars. Allez! Allez! Non, non!
Bon là, il y a un peu d'huile par terre. Il y a un peu d'huile et de sang par terre, mais rassurez-vous. Oh le gars! Ah, faut que j'arrive. Yes! Ouh! Ah merde, j'ai plus de marche arrière. Ah si, c'est bon. Non, il est un peu chaud le moteur, mais. Non, le moteur il a un tout petit peu chaud. Très bon état, je vais vendre ça sur le bon coin. Banzai! C'est qu'on a fait une. Ah, mesdames et messieurs, première place, 5 éliminations. Donc, ça c'est le mode le plus fun du jeu, très clairement. Même si le mode canapé et tout c'est fun, mais je trouve que c'est un peu plus sympa à jouer. On avait donc 16 participants, il n'en reste plus qu'un, tout le monde est mort, voilà, il y a 15 décès, donc bah écoutez, mesdames et messieurs, vu qu'il n'y a plus de participants, bah fin d'épisode. C'était donc vidéo découverte sur le jeu, mesdames et messieurs, qui s'appelle Wreckless, mesdames et messieurs, il est là, il est beau, c'est sur PlayStation 4, bref. On se laisse là-dessus, regardez. Oh là là, a superé son setup incroyable. Bref, on se laisse du coup là-dessus. Fin de vidéo découverte, il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver sur des jeux découverts très bientôt. Donc celui-ci, c'est sur PS4. Il n'y a pas de manuel. C'est également dispo sur Xbox One. Vous me direz ce que vous en avez pensé en commentaire. Twitchinou est avec nous. GG Twitchinou, vous avez aidé à cette petite vidéo découverte. Mesdames et messieurs, nous avons winné. Et comme le dit X6, c'est la canicule normale que le moteur est chaud. C'est vrai. Donc on se laisse là-dessus. Bisous YouTube. Fin de vidéo. Le jeu il est là, la PS4 elle est là-bas. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, il y a des vidéos tous les jours. All the days, mesdames et messieurs. 14h le mercredi, samedi et dimanche. Et 17h30 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Bisous à vous, Pichou, et bon courage pour la rentrée. Salut!